Le Jamel Dance Club, c'est un stage de danse hip-hop au Comedy Club, tous les mercredis. La démarche du Jamel Dance Club, elle est assez simple. Donc, le but, c'est d'accueillir des enfants plus ou moins initiés à la danse hip-hop. Pour ce faire, il y a moi, Ben Johnson, il y a Malika et il y a Scorpion. Trois intervenants qui ont prouvé à plusieurs reprises leur talent créatif et artistique autour de la danse. L'idée du JDC, c'est de provoquer un rendez-vous, une opportunité pour que les gamins puissent pratiquer, vivre la culture urbaine à travers la danse, mais pas que. Aussi à travers le graphe, à travers le film, la musique et le théâtre. C'est vraiment découvrir la culture urbaine dans toute sa richesse. Donc on prend le prisme de la danse, qui est un prisme un peu fédérateur. Ce qu'on apprend, bah, c'est surtout des pas. On apprend aussi le respect et à respecter les autres. On apprend qu'il ne faut pas se moquer, on apprend la confiance en soi. À l'issue de chaque stage, on crée un Jamel Dance Club sur mesure. Alors en fonction de l'actualité du hip-hop et des danseurs du moment, on présente évidemment la chorégraphie de la troupe du Jamel Dance Club. C'est bien parce qu'on montre toutes ces semaines, on a beaucoup travaillé, il y a d'autres artistes, il y a beaucoup de monde, il y a de l'ambiance, voilà. Il y avait Jamel Debbouze. Je suis très très fier que ça se passe ici au Comedy Club. Je tiens encore à remercier l'association Airstyle. Franchement, il est super gentil, il est adorable. Il est comme à la télé, c'est pareil. En général, les jeunes, quand ils viennent ici, ils sont plutôt débutants. Et puis bon, c'est vrai que ce sont des jeunes un peu du quartier. Donc, on leur apprend à danser. Il y en a déjà qui se détachent un peu du lot. On est là pour ça, justement, pour les former, pour leur donner cette envie de développer leur danse. Le message, c'est de prendre du plaisir, de kiffer, et qu'on n'a rien sans rien. Voilà, il n'y a que le travail qui paye.